faut-il inscrire la laïcité dans la Constitution? Déjà, c'est quoi la laïcité et qu'est-ce que ça changerait de l'inscrire dans la Constitution? Dans un contexte où tout le monde cherche à lutter contre le radicalisme, est-ce que ce grand retour de la laïcité, c'est une solution ou un emplâtre sur une jambe de bois? Voici le face-à-face. Bonjour à tous les deux, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes Farida Tahar, vous êtes une élue dans la commune de Molenbeek, Parti socialiste, mais je préviens tout le monde, vous n'intervenez pas ici en tant qu'élue ni en tant que socialiste, vous intervenez en tant que femme portant le foulard, étant également administratrice du collectif de lutte contre l'islamophobie, voilà pour planter le décor. Merci beaucoup, bienvenue. Monsieur Miller, on vous connaît un peu mieux, c'est vous, hein, le fer de lance au MR pour cette laïcité, cette neutralité. Alors, le mot laïcité est devenu neutralité, pourquoi? La laïcité, c'était trop dur? C'était aller trop loin? Non, c'est parce que le terme de laïcité est ambigu dans le système belge. Il dit deux choses. Il dit d'une part la séparation entre l'État et les religions, et là nous sommes tout à fait d'accord, on peut parler à ce niveau-là d'une laïcité institutionnelle, mais le terme laïcité dit aussi attaque contre l'esprit religieux, contre les convictions religieuses. Et ça, évidemment, nous ne le partageons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous préférons le terme de neutralité, qui insiste sur la séparation entre l'État et les religions, et qui, d'autre part, garantit aux citoyens le droit à leurs convictions religieuses. Bien, ça c'est une chose pour planter le décor. 18 propositions visent les ports de signes convictionnels. Vous visez également l'inscription dans la Constitution. Est-ce que cette proposition de la neutralité, Madame Tahar, vous semble être quelque chose de positif ou vous dites attention? Mais la neutralité, j'y souscris, tout comme la laïcité d'ailleurs, puisque vous distinguez bien les deux concepts. C'est important effectivement de s'arrêter aux définitions, puisqu'aujourd'hui il y a quand même une approche polysémique de ces termes qui n'ont pas eu le temps en tout cas d'être définis. Mmh. Et je pense que qu'on parle de la neutralité de l'État, il n'y a aucun souci, puisque effectivement la Belgique est un État neutre. Sauf que quand j'observe les débats aujourd'hui en cours, je crains que nous nous approchons plutôt d'un système de laïcité à la française, qui ne dit pas son mot, parce qu'on ne parle pas de laïcité, c'est en Belgique, mais dans les faits, dans les propositions que vous faites, il y a 24 propositions, parmi elles 18 qui concernent les signes convictionnels, c'est-à-dire dont le port du foulard. Une approche un peu obsessionnelle des signes convictionnels, et ces signes convictionnels demandent également à être définis. Qu'est-ce qu'on entend par signes convictionnels? Très bien. Et donc, c'est la raison pour laquelle je reviens sur ce... Est-ce que ce qu'elle porte sur la tête est un signe convictionnel? Je pense que oui. Je pense que oui. Et donc, ça veut dire que vous diriez à madame, si vous travaillez dans une administration publique, vous devriez le retirer, ce foulard, qui lui va bien en demeurant. Oui, mais sur le côté coquetterie, il n'y a pas de difficulté. Mais pourquoi vous lui demanderiez de le retirer? Mais par contre, au sein d'une administration publique, là où la personne, toute personne, donc ce ne sont pas uniquement les personnes de conviction musulmane. Toute personne qui remplit un travail pour la fonction publique, pour l'autorité publique, a un devoir de réserve. Elle a un devoir de réserve. Et elle doit non seulement travailler de façon neutre au service des citoyens, mais en plus, ça c'est un arrêt de la Cour constitutionnelle européenne qui le dit, attention, il faut que les citoyens aient aussi le sentiment d'avoir été traités de façon tout à fait neutre et objective. Nous avons le sentiment au niveau du MR, avec Denis Ducasse, et avec notre président. Nous avons le sentiment que lorsqu'une personne, dans l'exercice de sa fonction administrative, dans l'exercice de sa fonction publique, affiche un trait convictionnel qui peut montrer qu'elle ne respecte pas cette neutralité, nous estimons qu'il faut absolument empêcher ces signes. Monsieur Miller, je peux vous demander de regarder Madame Tahar et de lui dire en quoi ce qu'elle porte là, ce foulard, est un obstacle à la neutralité de quoi que ce soit comme fonction, et vous allez répondre juste après. Mais dites-lui, qu'est-ce qui vous gêne? Il y a deux choses. D'abord, que madame porte un foulard ne me dérange pas en tant que telle. Pourquoi? Parce que madame n'est pas pour l'instant... Mais dans la neutralité de l'exécution d'une fonction publique, par exemple, pourquoi ça vous dérange? Alors, ça me dérange parce que il y a d'abord cet aspect-là que je viens d'expliquer, à savoir que tout citoyen
Donc, il n'y a pas que des citoyens musulmans. Il y a des citoyens catholiques, il y a des citoyens juifs, il y a des citoyens agnostiques, athées, etc. Doit avoir le sentiment qu'en fonction de l'appartenance à la communauté musulmane que madame affiche, le citoyen doit avoir le sentiment que son dossier va être bien traité. Première chose. Alors, deuxième je vous demande de répondre. Mais non, parce que sinon, oui, sinon c'est vous, y a le problème des libertés féminines. Le problème des libertés féminines. Alors, allez-y. Je voudrais vraiment revenir là-dessus. Parce que, vous savez, vous avez parlé de la neutralité d'apparence. Hein. D'abord, tout à l'heure, je pense, de prétendre à une neutralité d'apparence. Je souscris plutôt à l'impartialité. Vous dites, mais madame, si elle était dans un contexte de service rendu au public, ça poserait problème. Sauf que je l'ai déjà été, que je le suis toujours. Et que ce foulard, ce vêtement, parce que pour moi, ce n'est pas un signe, il n'a peut-être pas la signification que vous lui donnez. Il n'est peut-être pas religieux, il est peut-être culturel, il est peut-être esthétique, il est peut-être... Et je pense que c'est important que dans la réflexion, dans le débat qui nous occupe aujourd'hui... Mais là, il est religieux ou il est esthétique ? Ça m'appartient au niveau, je pense que c'est important de laisser la personne qui porte un vêtement quelconque, quand monsieur porte une cravate, et j'imagine qu'il le porte pour des raisons esthétiques et pas pour la signification réelle de ce que c'est que la cravate dans sa jeunesse et dans son histoire. Et donc je pense qu'aujourd'hui, vous savez, notre téléspectateur qui nous écoute, monsieur et madame tout le monde, qui se présenterait à un service que je pourrais lui rendre, attend de moi que je sois impartial, que je sois neutre dans le travail que je vais pouvoir rendre, que je sois que j'opère un traitement qui ne soit pas différencié, donc que je traite les citoyens de façon égale. Et c'est ce que je demande également à nos politiques dans les mesures aujourd'hui que vous êtes en train de proposer. Attention qu'on ne tombe pas dans d'autres dérives. Moi, j'ai aucun souci avec la laïcité, je la prône également. Quelle dérive alors ? La laïcité, quand elle se veut inclusive à la canadienne et pas à la française. Parce que moi, j'ai juste peur que pour lutter contre les extrémismes, on en vient finalement proposer une laïcité qui est presque une laïcité laïciste et, excusez-moi le terme, extrémiste. Je ne voudrais pas que demain on arrive finalement à assimiler les citoyens belges et leur imposer une façon de penser ou une façon de se vêtir. Et venant en plus d'un mouvement réformateur qui prône des libertés. Dans le bon sens du terme, moi je n'ai aucun problème avec les valeurs libérales, mais dans le sens noble du terme. Je sais que M. Miller est très sensible à cela. Donc, en principe, normalement, vous devez nous soutenir dans ces libertés individuelles tant qu'elles ne portent pas atteinte à autrui. Et pour vous, le port du foulard, là, ce que vous avez sur la tête, parce que c'est ça, c'est une liberté individuelle que vous exercez, ça ne peut pas être lié à un signe convictionnel. C'est ça que vous dites ? Je dis que peu importe, quand bien même c'est un signe convictionnel, que ce soit pour des raisons culturelles, religieuses, aujourd'hui la Constitution le garantit. Aujourd'hui nous avons un arsenal juridique qui garantit à l'individu de se vêtir comme il se doit. Et enfin, des gens se sont battus, nos aïeux se sont battus pour qu'on acquiert sa liberté. Regardez Pierre Kroll là, qui vous dessine ceci. Il y a des barbus aussi, dit-on. J'allais venir, je remercie M. Kroll, parce que finalement, dans cette histoire, qui seront de nouveau les victimes ? C'est de nouveau les femmes. Vous parlez de féminisme tout à l'heure, vous avez une féministe en face de vous qui vous dit, de nouveau, ce sont les femmes qu'on va viser dans ces mesures. Pourquoi ? Oui, mais là, parce que l'homme, là, attendez, monsieur, écoutez, l'homme qui porte une barbe, peut-être pour des raisons esthétiques, peut-être pour des raisons religieuses, il s'en sortira plutôt bien. Et donc, moi, je refuse qu'aujourd'hui, on vise... Ma réponse en quelques éléments. Tout d'abord, par rapport à ce risque d'une laïcité à la française, c'est la raison pour laquelle, au niveau du MR, nous prônons l'inscription de la neutralité. La neutralité dit bien qu'il faut que l'État se conduise de façon impartiale vis-à-vis des différentes convictions, et nous le faisons, nous finançons un enseignement, nous finançons les cultes, etc. Donc, sur ce côté-là, le risque soulevé par madame ne tient pas à nos yeux. Deuxièmement, là, effectivement, on a plutôt une pierre d'achoppement entre nous deux. J'ai beaucoup réfléchi à la question. Moi, je n'arrive pas à considérer le fait qu'une femme doive porter un voile comme étant un signe de libération de la femme. Et donc, nous devons aussi tenir compte du nombre de citoyennes, de concitoyennes, qui, elles, sont le résultat de combats féministes pour que les femmes puissent obtenir des droits et des libertés dans notre société. Et les contraintes à porter un signe distinctif, un vêtement qui montre que, d'une certaine façon, il y a la soumission de la femme à l'homme, ça, pour moi, ça me pose un problème. Parce que j'ai l'air d'une femme soumise, franchement. Vraiment, bon, allez, sérieusement. Vous pas, mais peut-être d'autres, madame. Mais oui, mais je suis prête à dialoguer. Je suis prête à même comprendre que peut-être que mais ça gêne bien, au niveau du regard de l'autre. Vous devez bien comprendre que vous n'êtes pas la seule. Et lorsque bien, vous monsieur. Dites que vous avez toujours rempli votre fonction, votre mission d'agent public au mieux, je n'ai aucune raison d'en douter. Aucune raison d'en douter. Je peux poser une dernière question ? Par contre, je regrette, je trouve qu'il y a un combat à mener
contre les menaces qui sont occupées de se lever contre les libertés féminines. Les menaces, dit-il, mais il n'y a pas que ça. Les vraies menaces qui gangrènent notre société, monsieur Miller. Laquelle ? C'est les menaces aujourd'hui d'extrémistes de tous bords qui ont un esprit dogmatique, qui font que nos libertés sont restées. Il y a une communauté qui est stigmatisée. Vous sentez que dans votre communauté culturelle, il y a, dans un contexte, on va dire, de lutte contre le terrorisme, le radicalisme, une communauté qui se sent visée. Vous avez l'impression que vous devez le prendre pour vous. Dans une posture victimaire, oui. Les études le disent, le montrent. Aujourd'hui, des actes discriminatoires et islamophobes envers des communautés musulmanes sont légion, augmentent dans les statistiques. Et encore, tout le monde ne va pas faire constater qu'il y a délit, qu'il y a donc discrimination. Et donc oui, aujourd'hui, l'islamophobie est rampante et galopante. Est-ce que ce débat aggrave la situation ? Aggrave, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on est, je le rappelle, en menace toujours terroriste, niveau 3. Nous avons besoin de réfléchir, bien sûr, à des solutions concrètes pour endiguer ce phénomène, pour comprendre les causes, pour pouvoir mieux, efficacement, lutter contre le terrorisme. Et là, on mélange tout ? Et je pense qu'on mélange. Je pense que l'agenda politique, aujourd'hui, d'avoir choisi aussi de discuter de la laïcité, de la neutralité, des signes convictionnels, et dont on doit discuter. Dans ce contexte-là. Aujourd'hui, ça s'inscrit dans un agenda politique. L'agenda politique, je pense que c'est une erreur. Je comprends ce que vous voulez dire. Si je peux terminer, vous voulez faire passer c'est une erreur, vous voulez faire passer l'idée que, les propositions que nous déposons s'inscrivent dans une lutte contre le terrorisme et qu'il y aurait une assimilation entre les personnes de conviction musulmane. Elle n'a pas dit ça. Elle dit qu'il y a une interprétation qui peut aller dans cette direction. Ce que je pense, et c'est la raison pour laquelle nous déposons ces propositions, c'est que la seule façon, sur un territoire donné, comme l'est la ville de Bruxelles, comme l'est la Belgique, comme l'est l'Europe, d'arriver à faire vivre ensemble des personnes qui se respectent les unes les autres, des personnes qui appartiennent à des convictions différentes, la seule façon, c'est en inscrivant la neutralité au cœur même du dispositif de l'État. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ça pose un problème. Et retirer les foulards dans l'administration publique. Qu'est-ce que vous allez leur retirer ? Pas seulement les foulards, pas seulement les foulards. Oui, mais le reste, parce que c'est la question qu'on pose aujourd'hui. On parle trop de foulards. C'est vraiment, voilà, de nouveau, c'est encore une communauté qui est stigmatisée. Mais je vais encore une fois sortir de... C'est la conclusion. Non, ce n'est pas la conclusion. La conclusion, c'est que je déplore que ces mesures qui visent effectivement en 18 les signes convictionnels, et puis aussi dans d'autres mesures, enfin, moi je suis quand même effrayée de voir que l'une des mesures consistera à exiger que la connaissance scientifique ne pourrait pas être remise en cause. Je me dis, mais le débat qui doit aujourd'hui exister dans les écoles. Et c'est bien la preuve qu'à partir du moment où on va devoir conclure. C'est la preuve qu'à partir du moment où il y a une ouverture sur un signe convictionnel, tout de suite, il y a une dérive vers des attitudes créationnistes. Pas du tout, mais justement, laissez-moi finir. Il n'y a pas justement. Vous avez 10 secondes. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas, que le débat ne puisse plus exister dans les écoles, pas qu'on puisse remettre en cause des fondamentaux, mais qu'on puisse permettre à des jeunes de discuter. Et remettre en cause des fondamentaux. Non, pas du tout, mais qu'on puisse. Vous devez être clair dans les mesures que vous proposez. Allez, on va pas y arriver. Nous devons simplement respecter le droit, monsieur. La Constitution, je dois vous interrompre. Je dois vous interrompre. J'en suis désolé. La loi, et ne la modifions pas, tout simplement. Voilà. Merci, je suis désolé. Parce que cette discussion va certainement se poursuivre dans les coulisses, mais là, on doit arrêter le temps. Qui est imparti nous est donc compté malheureusement. Merci d'avoir été avec nous. Le débat sera long, hein. Il va durer plus d'un an et on va certainement reparler de ces problématiques-là. Tout de suite, on poursuit les débats à table. Merci.